Toulouse au Stade de France avec tous ses meilleurs joueurs, ça ne se savoure qu'une fois par an si Toulouse est en finale. Alors quand ce phénomène se produit dès la 22e journée, cela éveille la curiosité et l'envie, mais aussi l'inquiétude du côté du Stade français. Une crainte qui va se confirmer dès le coup d'envoi. McAllister perce sur 60 mètres, le match est lancé, mais attendez-vous à beaucoup de rebondissements. Lancé Rémy Bonfils. Fond de touche. Oh. C'est quand même dévié par Flancard du Puisson. Puisson va attaquer la ligne. Sèchement. Libération. La défense toulousaine. Oh, mais Dupuis ! Il a vu le trou ! Julien Dupuis qui va planter entre les poteaux le premier essai de ce match pour le Stade français. 100% de réalisme. Du réalisme, car Dupuis marque sur la première incursion de son équipe dans les 22 mètres de Toulouse. Sur la percée de Julien Dupuis, McAllister sera en défense. Après avoir dominé les 10 premières minutes, Toulouse est menée 10-0. Dans cette rencontre, pas le temps d'aller chercher une bière ou de faire une pause pipi. Sur le renvoi de l'essai de Dupuis, Flancard est surpris et ne contrôle pas le ballon. Camara sert rapidement Ficou. Avec de la vitesse et des courses dans l'axe, Toulouse fait exploser la défense du Stade français. McAllister se rattrape de sa bévue et marque le premier essai pour Toulouse, mais les All Blacks se relèvent en grimaçant, son dos le fait souffrir, il doit sortir. Le score 10-5 pour le Stade français après 11 minutes. Mais une nouvelle fois, Toulouse va revoir ses ambitions à la baisse à cause non pas de Super Dupont, mais de Super Dupuis. L'introduction de Dupuis, c'est une mêlée intéressante offensivement pour le Stade français, avec une bonne mêlée parisienne qui avance. Dupuis joue sur le côté fermé, où se trouve Waïséa Naïa Selevou, un crochet, il est passé. Le plaquage de Camara, Dupuis qui trente encore sa chance dans le poker. Oh, que c'est bien joué. Et le deuxième essai du Stade français, aplati par Jules Plisson. Quel match! Tout réussi à Julien Dupuis. Il mobilise 4 défenseurs et décale Jules Plisson pour l'essai. Toulouse doit maintenant rattraper 12 points de retard, mais problème, le Stade français marche sur l'eau. Et ce sera le jeu au pied de Gaël Ficou. Bonneval n'a pas pu. Si, pas de touche. Il a pu, il n'y a pas de touche, il a pris un risque. Il réussit à donner à Digby Yohannet. Yohannet face à Claire, face à Ficou, l'Australien. Plaqué, passe par le sol. La libération pour Dupuis, ceinturé par Poitrenaud. Il a du mal à transmettre à Naïs, allez-vous. C'est là, monsieur. Ça joue, ça va vite. Avec Papé pour Bosman. Bosman qui va pouvoir transmettre à Sylvain Nicolas. Nicolas face à Galard. Nicolas qui accélère. Le soutien de Bosman, c'est bien joué. Avec le Sud-Africain, meilleur Bosman. La solution intérieure, elle est là avec Papé. Papé pour Flancard. Flancard qui élimine le dernier défenseur qui perd et qui marque le troisième essai du Stade français. Au départ de l'action, Hugo Bonneval mord la ligne de touche pour quelques centimètres. Ça fait bien sûr râler Guinovès. Mais pour la beauté de l'essai, on peut pardonner aux arbitres d'avoir laissé jouer cette grande action d'envergure. À la mi-temps, le Stade français mène 27-8. Simon Mannix, entraîneur du Munster, venu espionner Toulouse, a un doute. Cette première mi-temps, défensivement, n'est pas du niveau des hommes de Guinovès. C'est incroyable d'être aussi laxiste. Donc, je pense qu'à seconde mi-temps, on s'était vraiment concentré. On a demandé à ce qu'on se concentre plus sur le contenu. On n'était plus dans le. On joue pour gagner, on joue pour continuer à produire. Le scénario est le même qu'en première mi-temps. Toulouse, dès la première minute, ouvre une brèche. Le Fidjien, Akapou Sikera, est repris à 5 mètres de la ligne. Ce qui change, c'est la finition. Toulouse a enfin la baraka. Le jeu rebondit sur la droite et Vermac plonge dans l'embut. Toulouse marque son deuxième essai et avec 14 points de retard a pour objectif de repartir avec le bonus défensif. Guinovès sent que c'est le bon moment pour faire entrer des joueurs frais. Et monsieur l'arbitre donne une pénalité que jouent rapidement les Toulousains avec Doucet. L'intérieur rapide Técori, ah c'est fait. Essai de Yossefane Técori. Troisième essai de Stade Toulousain qui revient dans le match. Le Stade français tremble. Son avance de 19 points vient de passer à 7. Pour ne rien arranger, Benjamin Macomé sort 10 minutes pour une faute d'anti-jeu. Il reste une minute. Le Stade français n'a pas encaissé de points durant son infériorité numérique, mais physiquement, y a laissé des plumes. Ossé Aguirre finit dans l'embut. Après d'interminables ralentis pour le Stade français, l'essai est refusé. Mais coup de théâtre. Monsieur Péchambert se rappelle qu'il avait un avantage en cours. Le Stade français n'est pas encore sauvé.
l'équipe du Stade français qui essaye de mettre les barbelés, mais Vermaak peut envoyer encore une fois Guerra à l'assaut de la ligne. C'est une balle d'élanisation pour le Stade toulousain. Essai de Montes. Johan Montes, lui l'ancien parisien, marque l'essai de l'espoir. Pour faire match nul, Doussain doit encore réussir la transformation. Ça passe, score final 27 partout. Les Toulousains font match nul, impensable car rappelez-vous, ils étaient menés 27 à 8 à la mi-temps. Aujourd'hui, c'est pas une victoire, on n'est toujours pas qualifié dans les 6, mais au moins c'est un résultat positif pour tout le groupe. Pour le manager du Stade français, Gonzalo Quesada, la pilule est dure à avaler. Il y a des fois des scénarios très positifs comme la première mi-temps et des scénarios où il n'y a rien qui va comme la deuxième. Il faut faire avec, et comme j'ai dit aux joueurs, heureusement il y a une revanche dans une semaine et je crois qu'on peut avoir les destins entre nos mains si on fait les boulots samedi à la maison contre les Racing. Pour le derby à Jambouin, le Racing est prévenu, les paillettes et les feux d'artifice resteront au Stade de France.